Bonjour, je vous souhaite une cordiale bienvenue ce matin à l'église d'Évoluer. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, et si elle n'était pas super, j'espère qu'au moins vous allez passer un bon sabbat. Parce que la joie qu'on a, je pense, qu'en tant qu'adventiste, c'est quand même d'avoir ce jour béni, mis à part pour Dieu, et surtout et pour nous-mêmes aussi. Alors on va commencer le moment de louange, que je voudrais vous inviter à vous lever, pour que nous chantons tous ensemble « Nous voici Seigneur », le 225 dans le « Donnez-lui gloire ». « Nous voici Seigneur ». Dieu. Seigneur, merci pour toutes tes tendresses, pour ton amour, ta grâce, ta bonté que tu as eu envers nous cette semaine et pour tous les jours que tu fais, toutes ces bontés, ces merveilles. Et c'est pour ça que nous voulons ce matin te dire merci Seigneur, t'adorer, te louer et aussi partager avec nos frères et sœurs toutes ces choses merveilleuses que tu fais pour nous. Qu'on soit aussi reconnaissant dans nos peines et qu'on ne désespère pas, comme on a étudié ce matin, que l'espérance est si importante, que nous voulons aussi ton retour, Seigneur, pour que tu sois pour toujours avec nous, pour être toujours avec toi. Que tu puisses aider ceux qui sont dans la souffrance, dans la tristesse. Parfois, ce n'est pas nous-mêmes, mais ce sont des personnes que nous aimons. Garde-les, Seigneur, protège-les et ramène ceux qui doivent aussi encore être ramenés dans ta maison et pour toujours, Seigneur. Sois avec nous, nous avons besoin de toi, nous avons besoin que tu nous guides, que tu nous diriges dans nos projets, dans toutes choses que nous voulons faire. Aide-nous à mieux élever nos enfants, Seigneur, à être des bons collègues de travail, à être tout ce que tu veux qu'on soit. Pardonne-nous nos péchés, Seigneur, et sois avec Dan, qui va partager le message que tu as choisi pour nous ce matin. Et que ce soit pour toi, pour ta gloire, que ce soit pour nous enseigner et qu'on puisse se rappeler de toutes ces choses en ton nom. Amen.
Je ne sais pas si vous savez, mais je fais partie de ces gens qui sont nés dans l'église. C'est-à-dire que je suis née adventiste parce que mes parents l'étaient. Mais quand j'ai fait le choix de... quand j'ai fait le choix de me baptiser et de vraiment de faire le choix d'être adventiste, je suis née de nouveau. Je ne sais pas si tous ceux qui se sont fait baptiser ont aussi ce même sentiment d'être nés de nouveau avec le baptême parce qu'ils ont pu découvrir une nouvelle vie avec Jésus. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à le faire. Mais en chantant ce chant, j'aimerais bien que vous souveniez de ce que c'était quand vous avez choisi de renaître de nouveau avec lui. Donc notre prochain chant est le 392 dans le Donner lui gloire, Tu peux naître de nouveau. Je vais vous inviter à vous asseoir. Vous pouvez vous asseoir. Alors, la lecture biblique, ça se fera en Osée 4, 6. Mon peuple périt parce qu'il n'a pas la connaissance. Puisque toi, tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai de mon sacerdoce comme tu as oublié la loi de ton Dieu. Moi de même, j'oublierai tes fils. Alors, ce matin, nous allons écouter Dan Karengera. On lui souhaite la bienvenue et écoutons ce qu'il a à nous dire ce matin. Merci. Bonjour à tout le monde. Encore plus de voix. Bonjour. Voilà, ça c'est beaucoup plus vivant, j'aime bien ça. Je bénis Dieu parce qu'il me donne cette opportunité, encore une fois, d'être parmi vous. C'est un privilège d'être serviteur de Dieu et je suis réellement content de l'être. Dieu veut que sa vérité pénètre notre cœur et nos pensées. Et je ne sais pas si vous connaissez comme moi ce chant qui disait « Lis ta Bible, prie chaque jour. Lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir. » Voilà, on va s'arrêter là puisque je ne suis pas un beau chanteur. Mais si nous voulons grandir, nous devons prendre le temps de lire la Bible. Pas seulement lire la Bible, mais aussi prendre note. Ce n'est pas très courant dans nos églises. Mais quand on va dans des églises évangéliques, la plupart du temps, les gens viennent à l'église avec des bics et des
De quoi prendre note. Le verset qui a été lu, « Mon peuple périt par manque de connaissances », c'est vrai. Les adventistes, nous prenons du temps pour l'école du sabbat, pour apprendre. Mais ces connaissances que nous avons, encore faut-il que nous les comprenions et encore faut-il que nous les mettions en pratique. Très important. Il faut les connaissances, l'information, la compréhension et surtout la sagesse de mettre en pratique ce que nous apprenons. Et je voudrais vous donner un défi. Tous les problèmes que nous rencontrons dans la vie, la plupart du temps, pour ne pas dire rarement, sont liés au manque de connaissances. Je répète ça. Les problèmes que je rencontre dans ma vie et que tu rencontres dans ta vie, si tu avais les connaissances nécessaires, tu pourrais les résoudre, n'est-ce pas? Vous me suivez? Et je pense que nous devons justement chercher la connaissance. Si je peux citer un exemple, si j'ai un robinet qui coule à la maison, si j'étais plombier, je pourrais fixer ce robinet, je pourrais le résoudre. Mais si je ne suis pas plombier, bien sûr, je vais demander à un plombier de passer à la maison. Un problème de malbouffe. Si je connaissais les conséquences qui vont arriver au fait que je vais me remplir de tacos, je diminuerai la consommation de tacos. Cette semaine, j'ai eu l'occasion d'aller chez Tournesol à Charleroi. C'était le dimanche. On avait annoncé une semaine pluvieuse et j'ai acheté plein de tomates, plein de courgettes, d'aubergines à planter. Je les ai plantées à la maison. Il y avait même quelques petites tomates qui étaient presque mûres et que j'ai goûté hier, c'était délicieux. Mais ce qui est embêtant, c'est que j'ai attendu la pluie jusqu'à mercredi, il n'y avait pas de pluie. Alors qu'on avait annoncé toute la semaine de pluie, il n'a pas plu. J'ai dû prendre un arrosoir et arroser. Ce n'est pas un job que j'aime beaucoup, mais j'ai dû le faire. Et comme par hasard, lorsque nous étions en train d'acheter ces produits pour être plantés, on devait chercher aussi des produits pour empêcher les insectes qui pourraient les consommer. Et ma femme m'a dit qu'il y a des limaces à la maison. Ces limaces, je ne les avais jamais vues. Et hier, en me levant, je trouve des limaces qui sont là, qui sont des invités. Et pour la première fois, j'ai fait une chose que je ne fais jamais. Avant de prier, j'ai dû aller mettre les produits autour des tomates qu'on avait plantées pour qu'ils ne soient pas consommés. Et j'ai constaté qu'il y en avait qui étaient déjà plus, étaient déjà consommés. Donc ce que j'avais planté dimanche, jeudi, vendredi, il n'y avait plus. Encore une fois, si j'avais été prévoyant et que j'avais mis ce produit contre les limaces, si j'avais cette connaissance, j'aurais eu une bonne récolte. Mon peuple périt par manque de connaissances. Et je voudrais aussi dire une phrase que j'aime beaucoup. Tu n'es pas ce que tu penses être, mais tu es ce que tu penses. Too deep. Je vais répéter ça. Tu n'es pas ce que tu penses être, mais ce que tu penses. Ceci dit, plus je vais me nourrir des choses positives, plus je vais penser des choses positives, plus je serai quelqu'un qui va rayonner autour de moi. J'ai l'opportunité de travailler avec des personnes, comme tout le monde d'ailleurs. Mais je vous assure, ici en Belgique, nous avons de quoi nous plaindre. Il y a beaucoup de gens qui vont se plaindre. Mais peut-être je devrais peut-être avancer puisque c'était parti. En fait, le titre du message, ce n'est pas la gratitude, mais c'était l'ignorance ne doit pas faire partie de... Dieu ne veut pas que l'ignorance soit parmi nous. Il veut nous éduquer. Et ainsi,
Docteur, je voudrais, avant de citer ce verset, le message est tiré en grande partie du livre de Deutéronome. Et ce livre a été écrit par l'homme le plus sage que l'univers n'a jamais connu, Moïse. Et il va l'écrire comme un testament. Qui parmi vous pense qu'un testament, c'est quelque chose qui est très important? Un testament, c'est comme un héritage. Si tu as la chance d'avoir un père qui est comme Moïse, ce qu'il va dire lors de ces derniers jours, tu vas le prendre au sérieux. Et l'un des messages qu'il va dire, au Deutéronome chapitre 8, verset 5, « Ainsi, en y réfléchissant, tu connaîtras que l'Éternel, ton Dieu, fait ton éducation comme un père éduque son enfant. » Autrement dit, Dieu veut que nous soyons éduqués. Dieu ne veut pas que nous restions ignorants. Donc Dieu veut nous éduquer, il veut que nous puissions avancer. Et encore une fois, Moïse va dire qu'on doit se rappeler d'où nous sommes venus et en parler aux générations suivantes. La plupart du temps, on l'oublie très très vite. En tout cas, j'ai la chance, personnellement, bon, je le fais de moins en moins, mais tous les dimanches à l'époque, je prenais du temps et je reculais dans mon enfance jusque là où je pouvais aller, 5-6 ans, pour pouvoir voir comment Dieu a été avec moi. Et chaque fois que j'ai l'opportunité, je rassemble les enfants pour leur dire ce que Dieu a fait pour moi et pour eux d'ailleurs. Parce que maintenant, ils le sont, ils le voient. Et je crois que Moïse, il a dit, tout ce que je vous dis, gardez-le vraiment. Écrivez sur les poteaux, sur vos fronts. Quand vous partez, quand vous marchez, parlez à vos enfants. S'il le dit, c'est parce qu'on a tendance à oublier. On a tendance à dire que c'est le fruit, qu'on est le fruit de nous-mêmes. Il y a des gens qui disent « self-made man ». Même s'il y a des gens qui peuvent fournir beaucoup d'efforts, mais nous devons toujours reconnaître que Dieu est là pour quelque chose. Et Dieu, dans le livre de Deutéronome, encore une fois, il a donné des promesses à son peuple. Et ces promesses, d'ailleurs, datent de très longtemps, puisque des promesses qu'il a données à Abraham, à Isaac, à Jacob. Et toutes ces promesses devait se réaliser sur les générations. Il va leur dire qu'ils auront un pays. Un pays, il y aura du lait et du miel. C'est vrai, quand on arrive ici en Belgique, on a de quoi manger, même de trop. Nous devons nous rappeler qu'il y a des gens qui n'ont pas de quoi manger. Et si nous avons de quoi manger, c'est vrai, c'est une chance qu'on a. Je me rappelle d'ailleurs qu'il y a des gens qui disaient que quand on est dans des pays comme celui-ci, c'est comme si on était au ciel, loin de là. Oui, il y a tout, mais ce n'est pas le ciel du tout. Ce n'est pas parce qu'on a de quoi manger, parce qu'on a ou on est sous l'abri, on est au chaud, qu'on est au ciel. Des problèmes existent et on en a parlé tout à l'heure à l'école du sabbat. C'est un pays qui est riche et qui a beaucoup de nourriture. Et ce qui est curieux, c'est que justement, quand on a réussi à faire des choses, on a toujours tendance à se dire « c'est moi qui l'ai fait ». Assez souvent, en tout cas, je le rappelle, mon père me le rappelait toujours, et moi aussi j'essaie de le rappeler aux enfants, que même s'ils travaillent à l'école et qu'ils ont la chance de réussir, ils doivent se rappeler qui est la source. Ce n'est pas nous, puisqu'on n'est rien. Par rapport à la santé, on est très fragile. Si j'ai pu réussir et que j'ai pu étudier, ce n'est pas moi. Je dois toujours savoir d'où ça vient. Ainsi, j'arrive sur cette notion de gratitude. Et je disais qu'en Belgique, on a de quoi se plaindre. Quand on est dans la pause, on dit « Ah, en Belgique, il pleut ». Oui, c'est vrai, il pleut. Une fois, j'ai eu l'occasion de voyager, j'étais à Djerba, et quand j'étais là,
Je me rappelle que je partais, c'était mes premières vacances. Je pars, je vais dans l'Afrique, entre guillemets. Je me suis dit, il y avait des fruits, que je crois que j'avais acheté des raisins au GB. Et puis je dis, non, je le laisse, je vais manger des fruits en Afrique. Arrivé là-bas, un pays aride, tout ce qu'on mangeait venait de la France. Donc, ça prenait du temps, c'était pas frais du tout par rapport à ce qu'on avait en Belgique. Et j'ai été étonné d'avoir un endroit où il avait 10 ans sans pluie. Pour sortir, pour visiter, quelqu'un m'a dit, viens, je vais te montrer un oasis. C'est une chose que j'avais appris en géographie, je ne sais pas. Quand tu es dans Belgique, on te dit oasis, tu ne peux pas comprendre ça. Mais quand tu es à Djerba, dans un endroit où il ne pleut pas, tu pars, on te montre un petit bouillis comme ça ici où il y a... la Belgique, c'est l'oasis. Toute la Belgique. Je vous assure, quand j'ai quitté là-bas, je me suis dit, je préfère la Belgique, là où il pleut beaucoup, que dans des pays arides. Donc, la plupart du temps, quand on a une belle chose, la pluie qui pleut, qui nous donne la verdure, on se plaint de ça. Mes amis, remercions Dieu qui nous donne la pluie. Nous avons des salades. Nous avons de quoi manger. Remercions Dieu, ne nous plaignons pas de cette météo belge. Oui, c'est vrai, quand on va se marier, ce n'est pas l'idéal, mais remercions Dieu quand même, parce qu'il nous donne la pluie. On se plaint des routes. Oui, c'est vrai, il y a des nids de poules. Ce matin, je suis arrivé en retard parce que le carrefour Léonard est fermé. J'ai dû faire des détours. Mais quand même, on a ces routes. On peut quand même voyager, on peut aller où on veut, même si ça peut prendre du temps. La gratitude, ce n'est pas automatique. La gratitude s'apprend. J'ai appris une histoire, à l'heure que les enfants sont ici, l'histoire d'un enfant avec sa maman qui veut visiter un ami, comme j'irai chez Manassé par exemple, et puis son épouse a préparé de beaux gâteaux. Et l'enfant, tout petit, il y mange, la maman qui l'accompagnait, il voit un enfant qui mange sa faim. Il mange. On dirait que cet enfant n'a jamais mangé de gâteau depuis des années. Et puis, la maman dit à l'enfant, il dit, « Qu'est-ce qu'on dit ?» L'enfant dit, « Encore. » La gratitude n'est pas naturelle. On doit l'apprendre. On doit apprendre à dire merci. Merci si la nourriture est bonne. Disons merci à maman qui l'a préparée. Si nous allons dans un restaurant et qu'on nous sert bien, disons merci aux personnes qui nous ont servi. Si la vaisselle a été faite, disons merci à celui qui a fait la vaisselle. Si la chambre est rangée, disons merci parce que la chambre est rangée. La gratitude n'est pas automatique. Si les enfants ne disent pas merci, c'est parce qu'ils pensent que tout est leur appartient. La preuve, vous prenez un jouet, ou bien l'enfant, il arrive quelque part, il voit des jouets des autres enfants, il les prend. Et il croit que c'est son jouet. Nous, les parents, bien sûr, nous devons donner un exemple et apprenons à nos enfants de grandir en disant merci. La gratitude s'apprend. Si je vous donne un message qui est mieux que McDo, dites amen. On raconte l'histoire, mais c'est une réalité. C'est une dame qui s'appelle Corinne Tinbonne. C'est une rescapée juive qui avait réussi à passer ces événements. Et par après, elle est devenue conférencière. Elle racontait tout ce qu'elle a vécu. Et tout le monde avait compassion d'elle. Et on l'aimait énormément. Et puis, après ses conférences, tout le monde avait allé vers elle. Elle lui disait, « Madame, vous êtes formidable, tout est merveilleux, comment est-ce que vous avez fait ?» Et il recevait tellement de fleurs. Et un bonjour, quelqu'un lui dit, « Comment est-ce que vous faites, madame, pour que toutes ces félicitations, toutes ces reconnaissances, une fois que vous les avez, ne vous montent pas dans la tête ?» La dame a donné une réponse qui est formidable. Il a dit, « Quand on me donne ces fleurs, je les reçois.
Et quand je les reçois, le soir devant mon lit, j'en fais un bouquet et je les donne au Dieu, à Dieu qui me permet d'être là. Je vous invite à faire de même. La plupart du temps, quand vous faites une chose qui est bonne, des personnes peuvent vous dire merci, tu es merveilleux. Et c'est vrai, j'en reçois pas mal. Mais il ne faut jamais que justement, à force de recevoir ces félicitations, que ça vous monte dans la tête, puisque vous risquez d'être orgueilleux. Et quand on est orgueilleux, c'est dangereux. Quand nous réalisons, quand Dieu nous aide à réaliser tel ou tel projet, ayons cette humilité de reconnaître que c'est la main de Dieu. Se souvenir que c'est l'Éternel qui nous donne la force de réaliser tout ce qu'on fait. Garde-toi de dire en ton cœur, « Ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. » C'est vrai, on peut, avec l'aide de Dieu bien sûr, arriver à réaliser quelques trucs, quelque chose. Acheter une voiture, construire une maison, ou acheter une maison, même si c'est un crédit, mais on a un toit. Et se dire, j'ai travaillé fort. C'est vrai, tu as travaillé fort, tu as travaillé dur. Mais on doit toujours se rappeler que c'est Dieu qui nous donne la force, que c'est Dieu qui nous donne le souffle de vie. Que s'il n'était pas là, on serait nulle part. Le temps passe. Si Paul, le grand que nous connaissons, a dû avoir un esprit de gratitude, qui suis-je pour ne pas être reconnaissant? Qui suis-je pour ne pas être reconnaissant? La dia suivante est très parlante. Notre reconnaissance nourrit notre joie au quotidien. Quand nous sommes reconnaissants, ça nous permet d'être joyeux. Quand je suis au travail, ou plutôt avant d'aller au travail, en tout cas, depuis un certain temps, j'ai développé une attitude que je vous invite à faire de même. Honnêtement, ça fait la différence. Le matin, quand je me lève, quand je pose mes pieds sur le sol, deux versets que je cite, que je proclame. Jérémie 29, 11. Je connais les projets que j'ai formés pour toi. Projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Chaque matin, je sais que Dieu a un projet pour moi. Avant de sortir de ma chambre, je sais que Dieu a un projet pour moi. En anglais, I know the plan I have for you. Plan to prosper you. To give you hope and the future. Je sais que Dieu veut que je prospère sur cette journée. Et lamentation de Jérémie. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Et je dis, Seigneur, je ne veux rater aucune de tes bontés aujourd'hui. Je les reçois. On raconte l'histoire d'un jeune homme qui jouait au basket avec son pasteur, qui était jeune aussi. Et quand il était à la fin de l'entraînement, le pasteur invite le jeune homme à venir partager un verre avec lui. Il dit, non, je ne peux pas venir avec toi puisque je vais suivre ma chimiothérapie. Il dit, pardon? Oui, ça fait longtemps que je suis à la chimiothérapie. Il dit, oh, je suis vraiment désolé, je ne savais pas. Il dit, non, ne sois pas désolé.
C'est ma vie, je fais comme ça. Il dit, comment est-ce que tu parviens à résister, à être quelqu'un qui a de bonne humeur comme ça? Il dit, j'ai un choix. Chaque matin que je me lève, je choisis soit d'être déprimé, ou je choisis d'être joyeux et de répandre la joie autour de moi. Il avait de quoi déprimer, mais il a choisi d'être joyeux et de dépendre la joie autour de lui. Je vous invite, chers amis, de décider chaque matin, oui, d'être des personnes joyeuses. Comme Paul le dit, soyez toujours joyeux. Et vous allez répandre la joie autour de vous. Vous allez être différents, pas par vous-même, mais par celui qui vous donne la force. Nadia suivante, tu peux passer. Il y a encore une idée. Nous, avant, il y avait Colibris. Bon, voilà. Suis-je, bon, peut-être la dernière n'est pas là. Il y avait une idée avec quel oiseau? Un charognard. La dernière qui précède, Diana, il est là ou pas? Il n'est pas là. C'est pas grave. Donc, c'est un charognard, je ne sais pas si vous connaissez le... Un colibri, c'est un oiseau qui aime aller toujours dans les fleurs, qui cherche de bonnes choses autour. Tandis que des charognards, ils se nourrissent de ce qui est mauvais, entre guillemets. Je peux choisir d'être un colibri, autrement dit, de chercher de bonnes choses tous les jours, comme je peux aussi choisir d'être un colibri. Plus nous allons décider de bonnes choses pour être colibri ou bien être charognard. Yvette, tu peux venir déjà, s'il te plaît. Donc, notre reconnaissance nourrit notre joie au quotidien. Aucune femme ne désire vivre avec un homme ingrat. Que les femmes disent amen. Amen. De la même façon, les hommes aussi ne désirent pas vivre avec des femmes ingrates. Nous devons apprendre à être reconnaissants. La plupart du temps, je suis parmi les anciens de cette église actuellement, mais quand je suis arrivé ici, j'ai eu la chance d'arriver dans un bâtiment qui est comme celui-ci. Ça ne se fait pas tout seul. Soyez reconnaissants des anciens qui ont contribué à faire cette église ce qu'elle est. Soyez reconnaissants des personnes comme Claude qui se donnent pour que tout aille bien. Soyez reconnaissants comme Philippe qui prend son temps pour venir animer. Soyez reconnaissants pour chacun d'ici parmi vous, puisqu'il y en a déjà qui se donnent pour que tout aille bien. Développons l'esprit de reconnaissance. Les enfants, soyez reconnaissants envers vos parents. Les jeunes, soyez reconnaissants. Si j'avais mes parents, je leur dirais toujours je les aime. Je ne les ai plus, mais je suis content de ce qu'ils m'ont donné. Et je suis content de transmettre ce qu'ils m'ont donné. Que Dieu nous aide et que nous puissions développer cet esprit de reconnaissance, de gratitude, puisque plus nous allons développer l'esprit de gratitude, plus nous allons permettre à Dieu d'agir, mais plus nous allons nous plaindre, plus nous allons le limiter. Que Dieu nous aide, et je vous invite à écouter le chant, c'est ma louange, qu'Yvette va chanter, et personne d'autre ne peut louer si ce n'est que vous. Que Dieu vous bénisse et qu'il nous accompagne durant la semaine. Seigneur, tu es digne.
Nous allons nous lever pour prier avec Dan. Père éternel, encore une fois, nous sommes très reconnaissants. Reconnaissants parce que tu es notre Dieu. Tu nous as aidés, tu nous as aimés, tu continues à nous aimer. Et ton amour est éternel. Nous voulons, Père éternel, te demander de continuer à nous aider afin que nous puissions nous rappeler combien nous avons de la valeur devant toi et combien nous devons être toujours reconnaissants envers toi et envers les personnes que nous rencontrons, puisque tu nous appelles à être des lumières. Père, nous ne pourrons jamais, nous ne pourrons pas en tout cas l'être si nous sommes des personnes plaintives. Permets que nous puissions te mettre toujours de l'avant et espérer que tu seras toujours là pour nous donner cette joie de vivre que nous allons répandre autour de nous. C'est en Jésus-Christ que je t'ai prié. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur nous. Pas peur, car je suis avec toi. Ne jette pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te rends fort, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma main droite victorieuse. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que le Seigneur nous bénisse cette semaine, qu'il nous donne l'enthousiasme qu'il faut pour la vaincre. Amen. Amen.